Là où l'œuvre a réussi, where the work has succeeded, quand le dirigeant n'est pas là, when the leader is absent, les portes du temple ne pouvant pas être fermées, the gates of the temple cannot be closed, ils doivent avoir l'adoration, there should be the service, le service, and the service. Il est avec nous, he is with us, de tout cœur. Je vous salue dans le précieux beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. I greet you in the precious and beautiful name of our Lord Jesus. Toi qui nous écoutes chez toi à la maison, nous te saluons dans you le nom who de Jésus. Are listening to us at home, we salute you in the name of Jesus. Et nous saluons également tous ceux qui nous suivent. And we also greet all those who are following us. Par le biais de l'internet. Through internet. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Frères bien-aimés, beloved brethren. Nous sommes à notre troisième édition. We are at our third edition de notre camp biblique national. Of our Bible camp, national Bible camp. La première édition de notre camp, the first edition of our camp, avait pour thème the topic of that camp, esprit de conquête pour une jeunesse co-ouvrière avec Dieu. The spirit of conquest of a youth which is co-worker with God. Et la deuxième édition, and the second edition, avait également pour thème les flambeaux de lumière, has as topic the light au milieu d'une jeunesse perverse, in the midst of a perverse youth. Et cette troisième édition, and this third edition, a pour thème le solide fondement, has as topic the solid foundation. Depuis 2016, since 2016, nous avons entamé un voyage. We have started a trip avec notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. With our Lord of glory, Jesus Christ. À travers les camps bibliques. Through Bible camps. Et cette année, in this year, le Seigneur a permis, the Lord has allowed us, qu'une forte délégation, has allowed a great delegation, composé de 26 personnes, comprises 26 people, part au camp biblique international, to go to the international Bible camp. S'il y a des fils d'Issachar parmi nous, if there are sons of Issachar in our midst, ce sont des fils des prophètes, they are the sons of the prophets, ils peuvent déjà comprendre, they can already understand, que le Seigneur a décidé cette année de nous bénir. That the Lord has decided this year to bless us. Parce que because nous organisons nos camps bibliques, we organize our Bible camps, avant d'aller au camp biblique international, before going to the international Bible camps. Mais cette année, that this year, c'est le contraire, is the opposite qui s'est produit. That happened. Alléluia. Praise the Lord. Donc,
Frères bien-aimés, beloved brethren, nous allons lire un passage dans le livre de Luc chapitre 9. We are going to read a passage in the book of Luke chapter 9, le verset 10, reading from verse 10 et 11 and to 11. Luc chapitre 9, verset 10 et 11. Les apôtres, étant de retour, racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. La foule, l'ayant su, le suivit. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Amen. Luke chapter 9, reading from verse 10 to 11. And the apostles, when they had returned, told him all that they had done. Then he took them and went aside privately into a deserted place belonging to the city called Bethsaida. But when the multitudes knew it, they followed him, and he received them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who had need of healing. Amen. 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 Dans cette portion de l'écriture, in this excerpt of the scripture, le Seigneur Jésus avait envoyé les apôtres. The Lord Jesus sent the apostles en mission. Into a mission. Une fois la mission achevée, as soon as they finished the mission, la Bible déclare qu'ils étaient de retour. The Bible declares that they came back. Chacun pouvait rester chez lui. Each one could have stayed home. Mais ils se sont dirigés vers le maître. But they went toward the master. Pourquoi? Why? Pour un seul but. For one, only one goal. Ils ont rendu compte. They came to give account. Au maître. To the master. Frères bien-aimés, beloved brethren, le compte rendu est spirituel. The account is a spiritual matter. Lorsque cette délégation composée de 26 personnes voyageait, when this delegation of 26 people were traveling, c'était toute l'église de Côte d'Ivoire qui était présentée à ce camp biblique. It was the whole church of Côte d'Ivoire that was presented at this Bible camp. Et aujourd'hui, and today, le Seigneur, the Lord, nous donne l'occasion, give us the opportunity, de... Donc, ce que nous allons voir maintenant, so what we're going to see now, fait partie également des attentes, is part of the expectation, relatives, that are related, à notre thème, to our topic, le solide fondement, the solid foundation. Donc, tu vas écouter. You are going to listen, les frères, to the brethren, qui vont te rendre compte, who will give account, de ce qu'ils ont vu, about what they ce qu'ils ont entendu, saw and heard, ce que Dieu a fait, what God has done, et ce que Dieu nous demande de faire, and God, what God requests from us, afin que nous soyons dans le même esprit, so that we can be in the same spirit, et que les desseins de Dieu soient totalement accomplis, and that the purpose of God be entirely accomplished. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Si tu es content, acclame le If Seigneur. If you are happy, then clap for the Lord. Donc, j'invite ici, so I would like to invite here, le frère Ouattara Lako, Ouattara Lako, le dirigeant des étudiants, the leader of the students. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. May the Lord bless us abundantly. J'aimerais être très reconnaissant au Seigneur. I would like to be grateful to the Lord. Ma présence au camp biblique international. For my presence to the international Bible. Je ne m'y attendais pas du tout. I was not expecting it. Quand la nouvelle m'avait été annoncée, when the news was given to me, j'avais supplié le pasteur Loès. I besought Pastor Loès qu'il attende l'année prochaine. That he waits next year. Et mon fils disciple m'a réprimandé. And my disciple maker rebuked me. J'ai dit amen. So I said amen. Et Dieu a pourvu merveilleusement à tous les besoins. And God provided all the needs. Et je suis parti au camp. And I was at the camp. Je voudrais intervenir sur l'aspect visuel. I would like to intervene about the visual aspect. Ce que j'ai vu, what I saw, ce que j'ai entendu, what I heard, entendu,
heard, sans toutefois toucher l'enseignement. Without touching the teaching. Parce que l'apôtre Jean dit, because Apostle John, ce que nous avons vu, what we have seen, ce que nous avons entendu, and what we have heard, nous vous rendons témoignage, we testify, afin que vous soyez en communion avec nous, for you to be in fellowship with us, parce que notre communion est avec Dieu le Père, because our fellowship is with God the Father. Alléluia. Praise the Lord. Très bien aimé. Beloved brethren, c'était le voyage le plus long. It was the longest trip. De manière en distance. Talking about the distance. En hauteur. In height. Et avec la fatigue. And with weariness. Nous sommes quittés ici à 20h pratiquement. We left about 8 p.m. Et la première délégation est descendue à Yaoundé. And the first delegation landed in Yaoundé. Nous sommes rendus à Douala. We went to Douala. Un frère merveilleux, le frère Tim Fatelé. A wonderful brother, brother Tim Fatelé, est venu nous chercher à l'aéroport. Came and fetched us at the airport. Les frères nous attendaient chez Papa Martin Fatelé. The brethren were waiting for us at the house of Daddy Martin Fatelé. J'ai eu l'occasion de découvrir de nouveaux mets. I had the opportunity to discover new means. Mais nous en viendrons tout à l'heure. But we'll talk about it later. Très tôt le matin à 8h. Very early in the morning at 8. Nous avons pris le véhicule. We took the car pour arriver après 21h. To get after 9 p.m. Donc c'était un voyage très long. It was a very long trip. Et nous sommes arrivés donc à Bertois. Then we arrived in Bertois. Les frères sont venus nous chercher pour aller à Koumé. And the brethren came to fetch us to pour go la petite to Koumé. Histoire. For the little story. Koumé est le nom d'une rivière. Koumé is the name of a little stream qui fait partie des 3000 hectares. This is part of the 3,000 hectares que notre œuvre possède. That our work possesses. À l'entrée. At the entrance, nous trouvons les vigiles. We can find the security man. On ne peut pas entrer sans contrôle. We cannot get there without any check. Les contrôles et les sorties sont surveillés. Les sorties et les entrées, pardon. The outing and the entrances are checked. Quand tu entres au camp, when you get into the camp, tu te sens chez toi. You find yourself at home. Koumé, c'est chez nous. Koumé is at us. At Koumé, our c'est notre partie. It is our nation. Alléluia. Praise the Lord. Je n'étais pas dépaysé. I was not new there. Je ne sais pas pourquoi. I don't know why. Je me sentais comme chez moi. Because I felt myself at home. Un endroit que j'avais déjà visité. As a place that I had already visited. Mais je pense que c'est l'impact des prières élevées. But I think that this is the impact of the prayers that have been raised. Du parlement. Through the word. Alléluia. Praise the Lord. J'ai eu l'occasion de visiter la maison du leader mondial. I had the opportunity to visit the house of the world leader. Tout juste à l'entrée. Just at the entrance. Vous avez la Hope Clinic. You have the Hope Clinic. Après les barrières. And after the barriers. À gauche. On the left. Vous avez le département des médias. You have the department of media. À droite. On your right. Se trouve le temple en construction. You can see the temple which is in construction. Là où la rencontre a eu lieu. Where the meeting took place. Le grand hall, the big hall. Alléluia. Praise the Lord. C'est merveilleux, frère. It's wonderful, brethren. L'accueil des frères, the reception of the brethren, est merveilleux. Was wonderful. Nous avons été très bien logés. We were well accommodated. Alléluia. Praise the Lord. Chacun avait un lit. Each one had a bed. Et j'étais logé avec le président et le vice-président. I was accommodated with the president and the vice president. En fait, j'aimerais dire merci à Dieu. J'aimerais dire merci pour mes aînés, mes anciens. Alléluia. I want to thank God for my elders. Ils m'ont fait un grand bien. They did a very big, great good to me. Dès que je suis arrivé, as soon as I got there, un ancien s'est spécialement occupé de moi. An elder took care of me specially. Il m'a dit, he told me, tu es jeune, you are young. Ici c'est agressif. This place, there is aggression in this place. Je vais bâtir une muraille de protection autour de toi. I'm going to build a wall of protection around you. Il a bâti la muraille. He built a wall. Alléluia. Praise the Lord. Heureusement qu'il s'est arrivé à l'aéroport. Alléluia. Explain it well. Gloire à Dieu. Praise the Lord. En fait, j'étais le seul frère avant que les frères de la communication arrivent. Before the brethren of communication came, tous avaient des anneaux au doigt. All of them had rings at their fingers.
Donc je n'avais rien sous mon doigt. But I had nothing on my et je n'ai encore rien sous mon doigt. And I still have nothing. Il me dit, he tells, told me, l'année dernière, last year, un frère du Congo, a brother of Congo a été persécuté ici. Was persecuted here. Donc il a bâti la muraille de protection. So he built the wall of protection. Et cette muraille était solide. And that wall was solid. Elle a résisté jusqu'à Abidjan. And it resisted up to Abidjan. Quand je suis arrivé, when I got there, j'ai dit, ancien, il faut que tu enlèves la barrière de protection. I told elder, you must remove the barrier of protection. Parce que nous sommes à Abidjan. Because we are in Abidjan. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Frère, brethren, j'ai vu des frères très merveilleux. I saw wonderful brethren. Des frères serviables. Brethren that are serving. Un frère s'était mis à notre disposition. A brother put himself to our disposal. Toutes les courses. For all our errands. Il allait à la blanchisserie. He went to the laundry. Au pressing. To the pressing. Au marché. To the market. Il était à nos petits soins. He was taking care of us. La sœur Alice, que certains parmi vous connaissent, Elder Alice, that some of you know, s'est occupée de l'hébergement. Took care of the accommodation. Nous avons reçu de l'eau pour boire. We received water to drink. Des seaux, buckets, beaucoup de choses. Many things. Alléluia. Praise the Lord. Le premier soir, the first afternoon, les délégations étaient présentées brièvement. Il y a l'ouverture du camp. At the beginning, at the opening of the camp, the delegations were presented briefly. Les délégations étaient présentées. And 2 days later, they have also been presented again. Frère, les autres nations aiment la Côte d'Ivoire. The other brethren, the other nation love Côte d'Ivoire. Ils aiment très sérieusement la Côte d'Ivoire. They seriously love Côte d'Ivoire. Et ils disent que nous sommes le pays des hommes fiers, effectivement. And they say that we are the country of proud men. Alléluia. Praise the Lord. Je pense que les premiers jours, tous étaient en veste. I think that the first day, all of them were in jackets. Et le président était le porte-flambeau jusqu'à la fin. And the president was the bearer of the light up to the end. Nous l'avons abandonné après. But after we abandoned later. Alléluia. Praise the Lord. Mais les frères étaient heureux de nous voir. But the brethren were very blissful to see us. Très heureux. Very blissful. Et les gens sont venus avec des attentes. People came with quand le frère Joseph Ngandu a annoncé, when brother Joseph Ngandu announced que le pasteur Meunier prendra la parole, that pastor Meunier will take the word, la salle a clamé. The floor, the whole, all the entire room clapped. Heureux. They were very blissful. Le jour qu'il a pris la parole, the day he took the floor, les jours qui suivaient étaient difficiles pour les frères de la délégation. The next day was very difficult for the brethren of certainement the delegation. Certainement vous avez eu les échos ici. Suddenly you heard the echoes here. Tous, all étaient spécialistes du brisement des liens. Were specialists of the breaking of evil ties. Si tu n'avais jamais brisé les liens avant, if you had never break evil ties, sur le champ tu allais apprendre. On the spot you were to learn. Alléluia. Praise the Lord. Les cahiers venaient seulement. The copybooks were coming. Un soir, je me suis amusé à compter. One afternoon, I tried to count. On devait avoir le brisement des liens le soir. We were to have a breaking of evil ties. Il y avait 185 cahiers qui étaient avec moi. There were 185 copybooks with me. Et quand on a fait le décompte final, and at the final account, nous avons 265 cahiers ce soir-là. We had 265 copybooks that on réfléchissait à la méthode qu'il fallait employer. We were reflecting about the method to use. Parce que ça allait être difficile. Because it will be difficult. Tu reçois un cahier. You receive a copybook. Non, tu reçois 4 cahiers. You receive 4 copybooks. 1h du matin jusqu'à 6h. From 1 a.m. up to 6 a.m. Ça c'est le plus petit nombre. This is the smallest number. À 7h. At 7 a.m. Tu dois être au temple. You must be at the temple. Pour commencer les prières de 15 minutes. To start the prayer of 15 minutes. À 9h. At 9. Il y a le groupe d'études bibliques. There are groups of Bible studies. À 10h30. 10:30. Le pasteur Théodore vient s'asseoir. Pastor Theodore, come and sit. L'homme de 5 heures. The man of 5 hours. Il s'asseoit. He sits down. Il enseigne pendant 5 heures. He teaches during 5 hours. La seule fois que nous avons chanté, the only time we sang pendant les 5 heures, during the 5 hours, c'était un signe de punition. It was a punishment. Pour les briseurs et ceux qui ont eu les liens brisés. For those who went to break the evil ties. Parce que quand il est arrivé le matin, because when he came in the morning, la Côte d'Ivoire dormait.
Côte d'Ivoire was sleeping. Alléluia. Praise the Lord. Et dit le briseur de l'air, venez chanter. He said, the breakers of evil ties, come and sing. En dépit du chant, despite the song, nous avons continué après à dormir, frère. We continued to sleep. Later. Du 12, from the 12th jusqu'au 15, to the 15th matin, in the morning, nous avons veillé chaque jour. We have a sitting up every day pour délivrer les frères, to deliver the du Gabon, of Gabon, de la France, France, du Cameroun, Cameroun, du Mali, from Mali. En fait, les délégations qui manifestaient le besoin. That is the delegation that showed the need. Alléluia. Praise the Lord. J'avais été confronté à un cas de délivrance très sérieux. I was opposed to a case of deliverance very serious. Il était 5h du matin. It was 5 a.m. Avec toutes les méthodes que je connaissais, with all the methods that I knew, il n'y avait pas de résultat. There was no result. J'ai approché un ancien. I junior an elder. Il filait directement au dortoir. He was going to the dormitory. Il est ancien. I told him, elder. Il m'a attrapé. He caught me. Il dit, l'onction est sur toi. Vas-y, frère. The anointing is upon you. Go on, brother. Alleluia. Praise the Lord. Je suis reparti. And I went back. Heureusement. Fortunately, le pasteur Lewis était là. Pastor Lewis was around. Et après, le missionnaire venait à notre secours. And after the missionary came to help us, la sœur était délivrée. And the sister was delivered. Elle avait été possédée par son ancien copain. She was possessed by her elder boyfriend, qui est Rosicrucien. Who is a Rosicrucian? Alléluia. Praise the Lord. Frère, ce jour-là, j'avais dit. That day I said, en fait, c'est le jour quand tu finis. It is that day when you finish. Tu ne cherches pas à manifester l'amour envers un frère. You don't even seek to show love. Même si tu vois que le frère en train de chasser les démons, il souffre. Even if you see the brothers casting out demons in suffering, ton corps te dit va dormir. Your body tells you go to sleep. Donc ce jour-là, je me suis dit. And that day I told myself, avec le cas que j'ai là, with this case I had, à 4h j'ai fini. At 4 a.m. I je file directement au dortoir. And I go directly to the dormitory. J'ai fini à 6h. And I finished at 6. Les frères sont partis avant moi-même. The brethren went before me. Alléluia. Praise the Lord. Et frère, quand le leader a pris la parole, when the leader took the word, le premier soir quand il a enseigné, the first afternoon when he taught, une sœur qui vivait dans la sorcellerie active, a sister who was living in active witchcraft, qui cherchait la délivrance, was seeking deliverance, lui a écrit une lettre, wrote a letter to her. C'était pitoyable. It was pitiful. Pathétique. It's pitiful. Mais Dieu nous a exaucés. But the Lord granted us. Dieu l'a exaucé, alléluia. God granted her. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Frère, j'ai vu des frères pleurer. I saw brethren crying à cause des liens malsains. Because of evil ties. Le matin, le pasteur Lewis était surchargé. In the morning, Pastor Lewis was overcrowded. Parce qu'il fallait programmer le rendez-vous avec le pasteur Melier. Because he was to plan le rendez-vous avec le pasteur. Rendezvous, Melier. Appointments with Pastor Melier. De 7h from 7 jusqu'à 8h30 par là. Up to 8:30. Avant d'aller dans le hall. Before going into the hall. La foule était là. The multitude was there. C'est en moyenne 10 personnes le matin. It's an average of 10 people in the morning. Il nous a fallu souvent aller prendre le petit déjeuner pour venir leur donner. Sometimes we were to go and take the breakfast and come to give them. J'ai vu des gens sortir. I saw people coming out. Avec des pleurs. Crying. Parce que les liens ne sont pas encore brisés. Because they are evil ties were not broken yet. C'était difficile. It was difficult. Et j'ai compris que quand Dieu donne un don à une nation, I understood that when God gives a gift to a nation, tu peux être de la nation, you can be of the nation, et puis ne pas bénéficier, and not take profit of it. Il y a des frères qui n'ont pas les liens brisés ici. There are brethren who have no, the evil ties are not broken here. Certains frères sont prêts à payer. Some brethren are ready to pay. Pour qu'on leur brise les liens. For us to for the evil ties to be broken. Certains frères sont en train d'aller dans les dénominations. Some brethren are going into the denomination to trouver la solution à leur problème. To find solutions to the problem. Un pasteur a dit de façon ironique. The pastor said ironically, la CMC gagne les âmes, CMFI wins souls, et nous les récupérons. And we take them. Alléluia. Praise the Lord. C'est pour vous montrer comment le besoin est criard. It's to tell you how dire the need dans les autres nations. In the other nations. Mais Dieu est en train de nous exaucer. The Lord is granting us. Parce que beaucoup de frères ont le désir d'apprendre. Because many brethren have the desires to learn. Les frères de la France étaient avec nous. The brethren from France were with us. Les frères de Cameroun. Those of Cameroon. De toutes les localités. Of all the other localities. Et ceux qui avaient reçu le ministère l'année dernière. And those who received the ministry last beaucoup year. Beaucoup avaient des témoignages. Many had testimonies. Leur vie spirituelle a changé. Their spiritual lives are changed. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Frère, les maîtres du camp sont merveilleux. Brethren, the meals of the camp are wonderful.
Le folloré, le folloré, c'est le bissab au petit déjeuner. Le bissab au petit déjeuner. Le bissab. Oui, le folloré, on appelle le bissab au fait. C'est le bissab, le nom du bissab. It's the name of bissab. C'est chaud. It is hot. Avec du pain. With bread. Il y a du thé aussi. And tea also. Donc c'était au choix. So you were to choose. Mais il faut connaître ton ventre avant de manger. But you must know your belly before eating. Alléluia. Praise the Lord. Frère, nous avons été invités. We've been invited. On a mangé. We ate. Le frère Yassin nous a invités. Brother Yassin invited us. Le pasteur Théodore Andossé. Pastor Théodore Andossé. Sa secrétaire. Her secretary. Et la sœur Henriette Mbaga. And sister Henriette Mbaga. Maman Emeline Tendo. Emeline Tendo. Emeline Tendo. Nous avons merveilleusement mangé. We wonderfully eat. Sur mon visage un peu. You can even feel it on my face. Alléluia. Praise the Lord. Frère, le retour, je parlerai de l'avion avant de finir. I talked about the plane before. L'aller était très facile. The trip was easy. Il faisait nuit, tu ne vois rien. Because it was the night, you cannot see anything. À 8 heures, nous avons pris l'avion. At 8, we took the plane. À un moment donné, je regarde en bas. At a certain time, I looked down. Je vois les nuages en bas de moi. I see the clouds below us. Nous étions à plus de 10 km du sol. We were more than 10 kilometers from Et je me suis dit, from the land. En voiture au moins. I told myself, si ça chauffe, in car, tu peux ouvrir la portière et puis glisser. If there is a problem, you can open the door and get out. Mais ici, but here, avant de tomber, before coming down, tu es déjà mort. You are already dead. Au moins, ce qui m'a réconforté. What reconforted me? Je me suis dit, I told myself, puisque tous vont mourir, since all will die, donc au moins c'est une consolation. This is a consolation. Frère, quand j'ai entendu bienvenue à l'aéroport international Félix Boigny. When I heard welcome to the international airport Félix Boigny, c'était une délivrance en même temps. It was a deliverance. Parce que l'avion, because the plane, ce n'est pas de luxe. It's not luxury. C'est une nécessité. It's a necessity. Si j'avais le choix, if I had a choice, je prendrais toujours la voiture. I would always take a car. Mais il faut souvent prendre l'avion. But sometimes you have to take the Donc plane. Donc le Seigneur te bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Merci beaucoup. Thanks a lot. On peut continuer? Can we continue? On peut continuer? Can we continue? Pasteur Uyebi Jean-Claude. Pasteur Uyebi Jean-Claude. Uyebi. Uyebi Jean-Claude. Uyebi. Uyebi Jean-Claude. D'accord. Mon nom n'est pas facile. My name is not easy. Mais le voyage a été facile pour moi. But the trip was facile for me. Je dirais spécial. I would say special. C'était pas prévu. It was not planned. Que j'y sois. For me to get there. Et donc les circonstances. But the circumstances. Qui ont précédé même le voyage. That preceded the trip. Font partie. Are part. Des à côté du voyage. Of the besides of the trip. Avant d'y aller. Before going, le mois de juillet, in the month of July, je reçois un appel. I receive the call qui me demande, which requires me, quand est-ce que tu prends tes vacances? When are you taking your holidays? J'ai juste répondu, I just answered, que mes vacances, that my holidays, ne dépendent pas de moi. Do not depend on me. Elles me sont imposées. They are imposed to me. Soit en août, whether in August, soit en septembre, or in September. Et la même voix, and the same voice, me dit cette fois-ci, told me this time, il faut que tu imposes, you must impose, que tes vacances soient en août. Your holidays will be in August. Parce que tu dois être à Koumé. Because you must be in Koumé. J'ai juste, I just eu la foi, had faith, d'imposer, to impose mes vacances, my holidays, à ma hiérarchie, to my hierarchy. Et quand j'ai approché ma hiérarchie, and when I drew near them, je leur ai demandé, I asked them, les vacances judiciaires, the vacation at the law department, c'est pour quand? When is it for? Ma hiérarchie me répond, my hierarchy answered me,
Depuis l'année passée, since last year, pour toi, for you, c'est en août. It is in August. Rapidement, rapidly, je me rends à Abidjan. I came to Abidjan parce que les exigences de ma fonction, because the requirements of my work, recommandent me que je puisse obtenir une autorisation pour sortir du pays. To obtain an authorization to go out of, to go abroad. C'est ma première fois. It is my first time. Donc je ne savais pas. So I didn't know. Les diligences qu'il fallait the different, effectuer. The different steps to take. Je me rends là où on m'oriente. I went where they directed me. On dit que les autorisations ne se font plus là-bas. They say that authorizations are et, no more elaborated there. Et qu'il me faut retourner à Buna. That I have to go back into Buna. Prendre l'autorisation de mon supérieur local. Take the authorization of my head, my local head. Ensuite, prends l'autorisation de mon supérieur qui est au-dessus de celui qui est local. And take the authorization of the head which is the one which is above the one the local head. Et venir maintenant au ministère de la justice, prends l'autorisation du ministre de la justice. And now come to the ministry of justice and take the authorization at that ministry. Tout ce détour là, all these ways, pouvait me coûter au bas mot au moins 1 à 3 mois. Could take me about 3 months. Et je me lève. So I rose. Je me trompe de porte. I made a mistake about the door. En fait, la porte de sortie. That is the outing. Comme c'était ma première fois de m'y rendre. As it is the first time to go there, the exit. Au lieu de prendre la même porte, instead of taking the same door, the exit, je rentre, j'ouvre la porte d'un autre bureau. I open the door of another office. Quelques jours, je me rends compte que c'est un bureau. As soon as I open it, I realize that it is an office. Je veux me retourner. I want to go back. J'entends une grosse voix à l'intérieur. I hear a very big voice inside. Qui est là? Who is there? Je dis, c'est moi, excusez-moi. And I say, it's me, excuse me. Il dit, me demande d'entrer. He told me to get in. J'y entre. I enter. Je rencontre un de mes anciens professeurs d'école. I meet one of my teacher in the past. Il me dit, vous êtes là pourquoi? He told me, what are you here for? Je dis, en fait, je suis venu chercher une autorisation pour sortir du pays. I said, in fact, I came to find an authorization to go abroad. Mais, enfin, il me donne la procédure normale. And he gives me the normal procedure. Je lui fais savoir que on vient de me le donner. And je lui fais savoir qu'on vient de me communiquer cette procédure. I let him know that this procedure has just been communicated to me. Il me dit, au fait, où t'as affecté? And he asked me, where have you been posted? Depuis la sortie de l'école. Since the outing from the school. On m'a envoyé à Buna. And I told him that I've been posted in Buna. Il dit, mon vieux, Buna c'est loin. He said, oh, Buna is very far. Il dit, oui, effectivement, Buna c'est loin. And I said, truly, Buna is far. Il dit, bon, comme tu viens de loin, on va raccourcir les choses. He said, okay, since you are coming from far, we will shorten things. Moi-même, j'irai voir le ministre. Myself, I will go and see the minister. Et on verra ce qu'il faut faire. And we see what is to be done. Il s'élève, il va voir le directeur du cabinet. He got up and went to see the director of the cabinet. Il ressort avec mon autorisation. And he came out with my authorization. Quand j'ai appelé mon supérieur hiérarchique de d'Abin Gourou, when I called my regional head, en fait, je l'avais d'abord appelé pour lui demander si je pouvais envoyer ma lettre, mon courrier de demande d'autorisation. I previously called him to ask if I could send him my application for him to sign. Elle m'a fait savoir qu'elle n'est pas disponible. She told me that she's not available. Par la suite, je l'ai rappelé. Later on, I called her.
pour lui dire que je viens d'obtenir l'autorisation. He tell her that I've just obtained it. Et elle me dit tout simplement, mais quand on est en Christ, c'est beau, hein? She simply replied that it is good when you are in Christ. Voici comment j'ai pu bénéficier de ce voyage spécial. This is how I could have profit of this special trip. Peut-être parce que je viens de Buna. Maybe because I'm from Buna. Et que tout ce qui vient du bout, tout ce qui vient du bout, and all that is from the end, est particulier et spécial. And is particular and special. C'est pourquoi mon voyage aussi a été spécial. That's why my trip has also been special. Et particulier. And particular. Parce que l'itinéraire que j'ai eu, because the way that I had, mon prédécesseur a dit que pour lui c'était assez fourni. The one who was before me said that his was really great. Mais moi, but I, c'était un itinéraire. It was a way qui m'a permis, which allowed me, d'aller, to go, d'Abidjan, from Abidjan, à Douala, to Douala, de Douala, from Douala, à Yaoundé, to Yaoundé, de Yaoundé, from à Bétoua, to Bétoua, de Bétoua, from Bétoua, à Koumé, to Koumé, de Koumé, from Koumé, à Obala, to Obala, de Obala, from Obala, à Yaoundé, to Yaoundé, et à Yaoundé même, and in Yaoundé, j'ai pu visiter, I could visit, et Tougébé. Etougébé. On voit ça souvent dans les livres. We sometimes see it in the book. C'est à Etougébé. It is at Etougébé que se trouve that we can find l'histoire, the story, en fait les racines, that is the roots de notre œuvre, of our world. J'ai vu la radio. I saw the radio. La croix of the cross. Certains voient ça sur internet. Some see it on internet. Moi j'ai touché. But I touched it. J'ai même pris une photo là-bas. I even took a photograph there. Après cela, after that, j'ai vu notre maman. I saw our mommy, la femme du frère Zach, the wife of brother Zach. Et c'était tellement merveilleux. And it was so wonderful. C'est-à-dire that la solidarité, the solidarity, et l'hospitalité, and hospitality, fait partie de nos gènes. Is part of our genes. Avant de révéler sur ce qui s'est passé before, à Koumé, before coming back on what happened in Koumé, je voudrais ouvrir Lucan sur notre rencontre avec Mme Prisca. I just want to say a little thing about our meeting with Sister pour montrer to show combien de fois how much l'hospitalité hospitality fait partie is part de notre ADN spirituel. Of our DAN, spiritual DAN. Quand nous sommes arrivés dans la maison, when we got in the house, du professeur Zakaria Tane Fomon, of Professor Zakaria Tane Fomon, chacun, each one, avait des attentes, had expectations. Et moi, and I, je voudrais, I wanted, pardon, j'avais voulu, I had wanted, voir, to see, qui, who, avait partagé la vie, who shared the life, du frère Zach, of brother Zach, with him. Parce que, because, pour rappel, as a recall, chaque matin, each morning, quand on était enseigné, when we were taught, avant que le leader mondial, before the world leader, prenne la parole, takes the floor, on avait rendez-vous avec le frère Zach. We had an appointment with brother Zach. Et tel que les choses étaient décrites, as things were described, c'était un homme particulier. He was a particular man. Et de ses lèvres et des lèvres d'Mbaga Henriette, and from his lips and the lips of Mbaga, on a appris à connaître l'homme. We learned to know the man. Certainement, surely, certaines voix, other voices, pourront, would be able, montrer combien de fois nous avons voyagé dans la vie de cet homme. Show how we traveled through the life of that man. Mais pour moi,
But for me, de son enfance jusqu'à son départ, from his childhood up to his departure, c'est un homme spécial. He was a special man. Et j'avais voulu connaître. And I had wanted to know celle qui avait partagé sa vie au quotidien. The one who daily shared his life with him. Et quand nous l'avons rencontré, and when we met her, en fait, quand nous sommes arrivés, on nous a dit qu'elle se reposait. When we got there, they told us that she was taking a nap. Et nous avons voulu partir. And we wanted to go. Mais certains frères avaient voulu immortaliser ce moment. The other brethren wanted to see him necessarily. En prenant des photographies. By taking pictures. Du salon. Of the living room. Simple. Simple. So. And very simple. Et c'est là qu'elle apparaît. And it is at that moment that she appeared. Elle nous dit qu'elle vient d'effectuer un long voyage des États-Unis. She told us that she had just come from a very long trip from the United States. Mais elle ne pouvait pas rester. She could not remain au lit in her bed pendant que des frères de Côte d'Ivoire étaient là. While brethren from Côte d'Ivoire were there. Ça montre combien de fois les frères ivoiriens. It shows how much the Ivorian brethren sont promus dans le cœur des frères, are promoted in the hearts of the brethren, au niveau international, at the international level. Nous lui avons fait savoir notre besoin de partir parce qu'on devait assister à un mariage. We told her that we wanted to take a leave because we were to take part in a wedding. Mais rapidement, but speedily, elle a trouvé une astuce. She found the way pour nous maintenir là, to maintain us there, to keep us there. Elle allait chercher un ensemble de photos. She went to seek some pictures. Some et quand elle est venue, and when she came, les photos en fait c'était pour nous garder en place, sur place. The photographs were to keep us there. Et quand on a fini de regarder, visualiser rapidement les photos, when we finished watching the photographs, pendant qu'on sortait, while we were going out, on voit de la nourriture entrer. We saw food coming in. On dit, mamie, on doit partir. Said, elle dit, non, venez, vous allez prendre quelque chose. Mom, we want to go. She said, no, come and take. Et elle a engagé la causerie. And she started a conversation. Finalement, elle a reçu. Finally, she succeeded. À nous faire partager son repas. To make us share her meal. Et elle était heureuse. And she was happy. Nous, maman, était heureux. We too were happy. Et quand nous avons quitté cet endroit. And when we left that place. En ayant pris soin de regarder où se trouvait la tombe, after watching where the tomb de notre père commun, of our common father, qui était simple, which was simple, et nous sommes rendus, and we went dans la méga église de Yaoundé, into the mega church of Yaoundé, nous avons assisté à un mariage, we took part in a wedding, en fait que le fruit, which is the fruit du brisement des liens, of the breaking of evil ties. Quand on a fini le mariage, when we finished the wedding, qui a été béni, that was blessed, à notre cher pasteur, by our dear pastor, Ménier Boniface, Ménier Boniface, nous avons pris la route, we took the way, the way, pour le domicile de Joseph Ngandjeu. We met for Joseph Ngandjeu. Là également, there too, un enseignement, a teaching. Nous étions là-bas, je ne sais plus. En tout cas, la délégation ivoirienne avait un certain nombre de personnes. There was a certain number of people from the Ivorian delegation there. Mais il y avait d'autres délégations. But there were other delegations. Et je me suis approché d'une personne qui avait l'habitude d'y aller. And I drew near a person who used to go there. J'ai demandé, est-ce qu'il y a ici des personnes qui viennent aider, enfin, qu'on appelle souvent des servants ou des servantes. I asked if there are some people here who serves as servants or maids. On m'a répondu que non. They said no. Et donc tous ceux que je vois là, ce sont des frères. So all those I see here are brethren. En fait, ils se lèvent très tôt le matin. In fact, they get up early in the morning. Ils nettoient tout. They clean everything. Ils préparent tout. They cook everything. Et la nourriture, and the food, je ne sais pas d'où ça provenait.
I don't know where it came from. Mais il y avait la nourriture en abondance. But there were food abundantly. Si bien que so that nous même fuyions la nourriture. We were running, fleeing from the food. Et quand j'ai eu la grâce, when I have the opportunity de me rendre à Obala, to go to Obala, pour rencontrer les frères, to meet the brethren, biologiques, biological brethren, et spirituels en même temps, and also spiritual, de notre papa, of our father, là-bas également, there too. En fait, avant d'arriver sur le fait qu'il y ait la nourriture là-bas, je voulais rapidement raconter une anecdote. I just want to tell a small story before quand, talking about the food. Quand on partait, when we were going on our way, le véhicule qui nous transportait, the car that was transporting us, on s'est dit comme on va à l'étranger, on va manger rapidement dans le véhicule, donc on a acheté du maïs et autres. We said that since we are going abroad, we'll just take. On arrive là-bas, some food, something, and we went. Il y a la nourriture. There was food. On finit, we finish. On va rendre visite à sa petite sœur Eugénie. We went to visit her younger sister Eugenie. Il y a encore la nourriture là-bas. There was still food there. Alors qu'on avait déjà mangé. But we had already eaten. Et le pasteur Meunier. And Pastor Meunier. Il dit mais vous mais on peut pas vous surprendre un peu. He said that we cannot even surprise. On vient même la nuit, il y a la nourriture. We come in the night, there is food. Le matin, il y a la nourriture. Even in the morning, food. À chaque heure, il y a la nourriture. At any time, there is food. Mais on va manger. But we going to eat. Et c'est comme ça que nous sommes restaurés. And that's how we ate. On arrive à Yaoundé. We went back to Yaoundé. Il y a la nourriture chez Joseph Ngandé. There was food at the house of Joseph Ngandé. Il y a la nourriture chez la sœur Émilie Tendo qui nous a invités. There was also food. On était débordés de nourriture. We had food in abundance. Nourriture physique. Physical food, mais également nourriture spirituelle. But also spiritual food. Parce que, because quand nous étions en train de prendre les enseignements, when we were taking the teaching, j'ai demandé à le pasteur Eli qui était juste à côté de moi. I asked the pastor who was near me. Je lui ai dit, mais quand on pose les questions au leader, but when we ask the questions to the leader, on a comme l'impression que on lui avait déjà soumis les questions. It is as if the question has been given to him beforehand. Parce que quand il répond, because when he answers, on a l'impression qu'il avait déjà fait les recherches. We have the impression that he had already made research. Il dit c'est à cause de ça nous on vient chaque année. And he told me that's why we come here every year. À cause de ses réponses, because of his answers, ça t'édifie, it edifies you, ça te promeut, it promotes you, ça te corrige, it corrects you, ça te révolutionne, it creates revolution in you, ça te fait prendre du volume spirituel, it makes you take spiritual volume. Nous avons pris du volume spirituel, we took spiritual volume. Nous avons pris du volume physique, we also took physical volume. En fait, nous avons été richement bénis. In fact, we've been richly blessed. Et quand nous sommes revenus, and when we came back, nous sommes revenus, we came back arrogné, being raw, béni, blessed. Et aujourd'hui, and today, je suis un homme, I am a man, qui commence déjà à préparer le camp prochain, who is preparing the next camp. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Frère, vous avez constaté, hein, il est rempli. Continuons avec le compte rendu. We continue with the account. J'invite à ce pupitre le frère Bailly Cyprien. I would like to invite Brother Bailly Cyprien here. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous avons voyagé. We traveled dans les à côté du camp. In the besides of the camp. Et nous allons rentrer dans l'enseignement. Now we are going to get into the teaching. Dans l'enseignement, in the teaching, nous allons rappeler un certain nombre de choses. We are going to recall a certain number of things. Le frère Théodore, en entrant dans le camp de cette année, Brother Theodore, while getting into the camp of this year, a commencé par un rappel des camps passés. Started with a recall of the previous camps.
Il voulait situer le contexte dans lequel il avait fait les 9 camps passés, sans compter de celui de cette année qui était le 10e. He wanted to set the context in which the different camps were took place without the one which happened here, which is the 10th camp. Mais commençons par dire que quand un enseignement est donné, il a un objectif qu'il doit rencontrer, un besoin qu'il doit rencontrer. Let's start saying that when a teaching is given, it means that there is a goal to be met. Le frère Zach, en recevant la vision que Dieu lui a donnée pour la conquête du monde, avait recruté une génération d'ouvriers. Brother Zach, while studying the vision that God gave him, he met a generation of workers. Il leur a clairement expliqué la vision que Dieu lui avait donnée. He recruited a generation of workers and explained to them very clearly the vision that he received from God. Et cette génération s'est saisie de la vision. And that generation laid hold of that vision. Ils ont investi leur jeunesse. They invest their youth. Ils ont investi leur carrière. They invest their career in it. Ils ont investi leur argent. They invested in it their money. Ils ont investi leur famille. They invested the family in it. Ils ont tout investi dans cette vision. They invested everything they had in that vision. Le résultat que cela a produit, the result that was produced, c'est qu'au moment où le frère Zach s'en allait pour être avec le Seigneur, is that at the departure of the brother Zach to be with the Lord, nous étions déjà dans les 6 continents. We were already in the 6th continent avec un effectif de plus de 100,000 disciples. With a number of more than 100 disciples. 100,000 disciples. Et dans plus de 60 nations. In more than 60 nations. Cette génération avait-elle réussi? Did that generation succeed? Est-ce que cette génération a réussi? Did that generation succeed? Ils l'ont accompli pendant à peu près une trentaine d'années. They did it about 30 years. Ils n'ont rien retenu. They didn't withhold anything. Nous sommes partis de 2 personnes. We went from 2 people. Le frère Zach, son épouse. Brother Zach and his spouse. En l'espace de 30 ans. In 30 years, nous étions déjà à plus de 100,000 disciples. We were about more than 100,000 disciples. Nous ayons saisi de plus de 60 nations. And we were planted in more than 60 nations. Dans les 6 continents. In the 6 continents. Nous étions là aux environs des années 2007-2009. And we were there around 2007 and 2009. Pour nous qui avions déjà donné la vie à Jésus à cette époque, for us who have already given our life to Jesus at that time, quelque chose avait été fait pour que nous puissions croire en Jésus. Something was done for us to be believed. Une génération s'était sacrifiée. A generation sacrificed himself pour que tu donnes ta vie à Jésus. For you to give your life to Jesus. Mais 30 ans après, but 30 years later, cette génération était lessivée. That generation is weary. C'est des gens qui avaient plus de 60 ans en moyenne. There are people who are more than 60,000. 60 years. La plupart étaient des retraités. Most of them were retired. Ils ne gagnaient plus l'argent qu'ils gagnaient avant. They couldn't get the money they had before. Ils n'avaient plus la jeunesse de leurs 30 ans. They couldn't have the youth of their 30 years. Ils avaient encore la volonté. They still had the will. Mais quand quelqu'un donne 80% de l'argent qu'on lui donne en tant que retraité, qu'est-ce que ça peut faire? But when somebody gives 80% of the money that he perceives as a retired, what can he do? Quand quelqu'un a déjà plus de 70 ans et tu planifies de déposer un but au pied de Jésus en 2065, est-ce qu'il sera là? When someone is more than 70 years old and he plans to lay at the feet of Jesus a goal up to 2065, can he be there? Quand quelqu'un a déjà 60 ans et tu parles d'investir 2 jeunes, 3 jeunes de 40 jours par an, est-ce que tu peux compter sur lui pour les 10 années à venir? When someone is already 60 years old and talking about investing 2 or 3 fasting of 40 days each year, can you bank on him in the 10 years to come? Même le taux de calcium dans ses zones ne peut plus répondre. Even the rate of calcium in his bones cannot answer. Même quand il veut se lever pour sauter, il ne peut plus le faire quand il avait 20 ans. Even when he wants to get up and leap, he cannot do it as he could do it when he was 20 years old. Il sera là en train de tonner le coaching.
He will be there to coach the world. Mais il ne peut pas être celui-là sur qui on va planifier pour les 30 ans à venir. But he is not the person on whom we can make a plan for the 30 coming years. C'est dans ce contexte que le frère Théodore a pris la direction de l'œuvre. It is in that setting that brother Theodore took the direction of the world. S'il se mettait à compter sur cette vieille génération, permettez-moi de l'appeler comme ça. If he allowed himself to bank on this old generation, allow me to say so, il ne serait pas un homme de vision. He wouldn't be a man of vision. Il a donc commencé le camp en 2009. So he started the camp in 2009 avec un objectif majeur. With a major goal. Le maître avait investi dans sa moisson. The master invested in the harvest. Une première vague. A first generation. Les ouvriers de 6 heures. The workers of 6 hours. Ils avaient travaillé jusqu'à 9 heures. And they worked up to 9 hours. Et ils commençaient à être fatigués. And they started to be weary. Et le maître avait besoin d'une deuxième génération. And the master needed a second group of people. Je veux parler du Seigneur Jésus. I want to talk about the Lord Jesus. Le but des camps, c'était donc de produire cette deuxième génération. The goal of the camp was to produce that second that generation. Il fallait susciter cette deuxième génération. This second generation was to be raised. Ces ouvriers, his workers, qui allaient poursuivre l'œuvre, who will pursue the work, accomplir la deuxième phase, continue the accomplish the second phase, entrer dans la troisième phase, get into the third phase. Nous étions donc à un tournant très décisif. So we were at a very important turning point. Le frère Théodore s'est donné 12 ans pour faire des camps. The brother Théodore gave himself 12 years to make camps. C'est un homme qui travaille avec les chiffres de la Bible. He is a man who works with the figures of the Bible. Et il avait déjà fait 9 camps. And he had already done 9. Et il lui restait les 3 derniers. And he still had the last three. Il s'est donc dit qu'il va commencer à faire une révision des 9 camps passés. He told himself that he's going to make a reviewing of the 9 past camps. Pour voir jusqu'où il a avancé. To see at which point he is. Pour voir jusqu'où nous avons saisi le fardeau qui était sur son cœur. Just to see up to which point we have caught the burden that was on his heart. Pour voir jusqu'où Dieu l'avait exaucé. To see to this point, to which point God has granted him. Voilà le contexte dans lequel nous avons abordé ce 10e camp. Here is the setting in which we started this 10th camp. Et il a dit une chose que je vais citer ici. And he said one thing that I want to quote here. That quand le fondateur d'une œuvre part, when the founder of the work of a work goes, Dieu met en jeu des facteurs pour rassembler un corps de ministère. God bring into at stake some factors to govern ministries. Ces facteurs sont mis ensemble pour rassembler un corps de ministère. Those factors are put together to govern a body of ministry. Ce sont des facteurs de recrutement. These are factors of recruitment. Et ces facteurs viennent de Dieu. And these factors are from God. Et c'est ce qu'il nous a enseigné pendant ces 9 années. And this is what he taught us during these 9 years. Les éléments que toi et moi devons maîtriser si nous voulons faire partie de cette vague des ouvriers de la 9e heure. The things that you and I should master if you want to be part of the workers of that 9 hour. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Est-ce que je suis dans un amphi vide? Am I in an empty? Quand le fondateur d'une œuvre part, when the founder of a work goes, Dieu met en jeu des facteurs pour rassembler un corps de ministère. God brings factors in order to govern a body of ministries. Je reprends. Quand le fondateur d'une œuvre part, when the founder of a work goes, Dieu met en jeu des facteurs pour rassembler un corps de ministère. God put at stake factors to govern ministries. Ces facteurs viennent de Dieu. Those factors are of God. Ces facteurs viennent de Dieu. Those factors are of God. Ce sont les éléments qu'il faut maîtriser. There are elements, things that you should master pour faire partie, to be part de la vague des ouvriers de la 9e heure, of the group of the worker of the 9th hour. Ce sont les facteurs qu'il faut maîtriser. There are factors that you should master pour faire partie, in order to be part de la vague des ouvriers de la 9e heure, of the group of the workers of the 9th hour.
Nous parlons des ouvriers de la 9e heure. Lisons ensemble rapidement dans la Bible. We are talking about the workers of the ninth hour. Let's read in the Bible together. Matthieu chapitre 20, verset 1 à 7. Matthew chapter 20, reading from verse 1 to 7. Mais nous allons lire le verset 3 parce que nous nous sommes tenus par le temps. Mais tu pourras lire tout après. Because the time is running short, we are going to read the verse, only the verse 3. Au verset 3, il est dit. At verse 3, it is said. Vers 9h du matin. And he went out about the third hour. Il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tenaient sur la place du marché sans rien faire. And so others standing idle in the marketplace. Je lis le verset 4 et il leur dit. Verse 4 and said to them. Vous aussi. You also. Allez travailler dans ma vigne. Go into the vineyard. Et je vous payerai correctement. And whatever is right, I will give you. Avant d'arriver là, il avait déjà recruté une vague à 6h. Before getting there, he recruited a group at the sixth hour. Et cette vague avait travaillé. And that group worked. La Bible dit qu'il rencontre des gens qui sont assis là. The Bible says that he meets men who are sat sitting there. Des gens capables. Able men. Mais qui étaient sur la place du marché. But who were at the marketplace. N'ayant pas été recrutés. Having not been recruited. Et qui étaient en train d'exercer la paresse. And who were idle. Ils n'étaient pas en train de chercher où aller travailler. They were not even seeking where to go to work. Ils étaient sur la place du marché. They were at the marketplace. À ne rien faire. Sitting there idle. Et le maître les trouve là. And the masters found them there. Qu'est-ce que vous faites ici vous? What are you doing here you? Et personne ne nous a recruté. Did no one recruit you? Ils répondent, personne ne nous a recruté. And they answered, no one recruited us. Et le maître leur dit. And the master told them. Allez dans ma vigne travailler. Go in my vineyard and work. Je vais vous payer correctement. I'll pay you what you deserve. Nous sommes cette vague des ouvriers de la 9e. We are this group of workers of the ninth hour. Mais je veux que tu te lèves ce matin pour faire une chose avec. But I want you to rise up in this morning to do one thing. Parce que beaucoup d'entre nous avons cette capacité. Because many of us we have abilities. Nous avons la jeunesse. We have the youth. Nous avons l'éducation. We have education. Nous avons la force. We have strength. Nous avons le calcium. We have calcium. Nous avons tout ce qu'il faut. We have all that is needed. Mais beaucoup sont paresseux. But many are paresseux. They are lazy. Beaucoup sont paresseux. Many are lazy. Ils ne veulent pas se lever pour aller. They don't want to rise up to go and work. Ils répondent qu'on leur a rien donné. They answer that they have not been given anything. On leur a pas donné de travail à faire. They have not been given work to be done. Certainement tu es assis ici qui dis que non moi on ne m'a rien donné comme surely you are sitting here and saying that I've not been given anything to Est-ce do. Est-ce que tu as cherché s'il y avait du travail à faire? Did you seek to know if there was some work to be done? La première chose que je voulais que nous The very first thing I want you to do. Je veux que nous nous tenions tous debout. I want all of us to get on our Et tu vas secouer de ton être la paresse. And you will shake laziness from your being. Tu vas parler à la paresse comme on parle à son voisin. You speak to laziness as you speak to your neighbor. Tu vas dire à la paresse, tu restes ici. You will tell laziness, you will remain here. Je ne repars pas d'ici avec toi. I will not go back from here with you. Partant d'ici, while going from here, je vais aller travailler. I will go to work. À commencer même par ici. Starting from here, je vais travailler. I will work. Parce que j'ai tout ce qu'il faut. Because I have all that I need. Je suis jeune. I am young. Je suis jeune. I am young. Si tu es encore assis, tu es en train de dire que tu n'es pas jeune. If you are still sitting, you are saying that you are not young. Ceux qui m'ont vu ce matin en train de crier sur les gens qu'il faut courir. Those who saw me this morning shouting on people that I must run. Mais c'est parce que vous êtes des jeunes. And it's because you are young. Vous avez déjà vu à l'école militaire les gens marchent doucement pour aller à l'entraînement? Have you seen in a training military school people walking slowly to go to the training? Si tu viens en retard encore à une réunion ici au camp. If you come late at a meeting in the camp here. Quel que soit ton titre. Whatever your title. Tu dois courir. You must run. Quelqu'un qui va dans la vigne. Someone is going in the vineyard of the Lord. He must go speedily. He must go with all his zeal. He must go with all his strength. What he knows that he must do it. Donc pardonnez-moi si j'ai crié sur certains qui ont les cheveux blancs ce matin. Forgive me if I shouted on some people who have white hairs this morning. Mais moi je vous voyais comme des jeunes. But I saw you as young. Êtes-vous des jeunes? Are you young? Êtes-vous des jeunes? Are you young? Tu vas prier. You're gonna pray. Tu dis à la paresse. You tell laziness. C'est fini aujourd'hui. It's over. Ce que je sais du Seigneur. What I know from the Lord. Ici même. Now. Je commence à le faire. I start doing it. Et je continuerai de le faire. And I'll continue to do it. Prions ensemble. Let's pray together. Le frère Théodore était en train de dire. Brother Théodore said.
Et il aime citer ce que je vais dire maintenant. He likes quoting what I'm saying. I'm going to say now. Deux peuvent-ils se mettre à marcher ensemble sans s'être accordés? Can two people walk together without getting along? Il avait donc sur son cœur le fardeau. He had the burden on his heart. Parce que quand il dit aux gens que le maître a besoin d'une vague d'ouvriers de la 9e heure, that when he tells people that the master needs a group of workers of the 9th hour, il voulait se rassurer qu'il est en train de parler effectivement à des ouvriers. He wants to make sure that he's really talking to workers. Mais qui est ouvrier alors? But who is a worker then? Et il nous a dit au camp, and he told us at the camp, que les disciples sont là. Le pool de recrutement, l'association dans laquelle Dieu recrute ses ouvriers. That disciples are the association in which God recruits his workers. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas disciple, it means that if someone is not a disciple, il ne fait même pas partie de là où Dieu peut aller pour dire toi viens faire quelque chose pour moi. He is not part of those from whom God can recruit. Donc il a pris 3 années. So it took 3 years. Pour enseigner sur devenir et demeurer disciple du Seigneur Jésus. Teach about becoming and remaining a disciple of the Lord Jesus. Pour ne pas que les gens soient en train de poser des questions inutiles devant. For people not to ask useless questions ahead. Hallelujah. Les disciples. Disciples, c'est le pool dans lequel Dieu recrute ses ouvriers. Is the group of people from whom God recruits his workers. Donc si tu n'es pas disciple, so if you are not a disciple, tu fais partie de ceux que nous avons à gagner. You are part of those we have to win. C'est-à-dire nous devons te gagner pour que tu nous rejoignes. We must win you for you to join us. Pour que le maître puisse te recruter. For the master to recruit you also. Hallelujah. Praise the Lord. Donc être disciple n'est pas une finalité. So being a disciple is not an end. C'est la condition qu'il faut remplir pour rentrer au service du maître. It's a condition that you have to fill in order to start serving the master. Il lui a fallu 3 ans pour enseigner sur cela. He had to teach about that about 3 years. Et il s'est dit que chacun a compris clairement. And he taught himself that each of them understood the teaching very clearly. Et que chacun pouvait décider d'être disciple. And that each one could decide to be disciple. C'est-à-dire décider de travailler dans la vigne. That is to decide to work in a vineyard. Ses services au maître. And to offer his service to the master. C'est donc le début que d'être disciple. So it is becoming a disciple is just the beginning. Donc si quelqu'un dit que c'est difficile d'être disciple, il a dit qu'il ne veut même pas commencer. If someone says that it's difficult to become a disciple, it means that he even doesn't want to start. Si le but de quelqu'un était d'être disciple, c'est qu'il a déjà raté. If the goal of someone is to be disciple, that is, he has missed the goal. Parce que le but c'est de mettre le monde au pied de Jésus. Because the goal is to set the world at the feet of Jesus. Jésus est venu sur la terre. Jesus came on earth pour établir un royaume impérialiste. To establish an imperialist kingdom. Quand Jésus te sauve, when Jesus saves you, ce n'est pas pour que tu te réjouisses. It's not for you to rejoice. Et dit que je suis sauvé. And say that I am saved. Je m'en vais au ciel. I'm going to heaven. Je suis délivré. I am delivered. Mes liens ont été brisés. My ties have been broken. Je suis marié. I am married. J'ai voyagé. I travel. Je suis accompli. I am fulfilled. Non, quand Jésus te sauve, but when Jesus saves you, il réclame ton tout. He claims your all. J'avais un disciple avec qui j'allais prêcher l'évangile. I had a disciple with whom I went to preach the gospel. Et il prêchait à quelqu'un. And he was preaching to someone. Et il disait que nous on ne demande pas aux gens de donner leur argent, on veut qu'ils donnent leur vie à Jésus. And he was saying that we don't ask people to give the money, but we want them to give their life to Jesus. Après je l'ai pris de côté. And after I took him aside, je lui ai dit mon ami. I told him my friend. Tu as vu la voiture dans laquelle nous sommes venus? Did you see the car in which we came? L'argent n'est pas tombé du ciel. The money didn't come down from heaven to buy. Ce matin, j'ai mis le carburant dedans. This morning I put oil in it. Nous avons voyagé pour venir prêcher. We traveled to come and preach. Comment tu dis que Jésus ne prend pas l'argent? How can you say that Jesus doesn't take the money of people? Qui a alors pris mon argent? Who then took my money? Moi, j'étais content de donner ça à Jésus. I was happy to give it to Jesus. Non, mon ami, faut que tu apprennes à prêcher. So you have to learn how to preach. Jésus prend tout. Jesus takes all. Si tu ne lui donnes pas tout, il ne prend rien. So if you don't want to give him all, he will take nothing. Jésus prend ton éducation. Jesus take your education. Dis amen. Say amen. Ne dis pas que je vais être docteur pour travailler pour mes
parents. Don't say that I want to be a doctor to work for my parents. Tu as déjà dit que je ne veux pas aller au ciel. You have already said that I don't want to go to heaven. Parce qu'il n'y a pas de gens qui vont entrer au ciel n'étant pas des disciples de Jésus. Because no one will get into heaven not being a disciple of Jesus. Et les disciples de Jésus lui donnent tout. And the disciple of Jesus give him all. Jésus veut ta maison. Jesus wants your house. Il veut ta maison. He wants your house. Si tu as cru que tu as laissé ta maison derrière. If you have believed and left your house behind. Nous devons encore te gagner. We still have to win et you. Et nous allons te gagner. And we will win you. Parce que tu ne peux plus fuir. Because you cannot run anymore. Dis amen. Say amen. Jésus prend tout. Jesus takes everything. Jésus prend ta santé. Jesus takes your health. Tu vas jeûner. You will fast. Ton calcium va finir. Your calcium will finish. Ton magnésium va finir. Your magnesium will finish. Tu vas sentir les douleurs dans les os. You will feel pains in your bones. Qui t'a dit que tu pouvais échapper à ça? Who tell you that you could escape from this? Si on t'a prêché un tel évangile, c'est que tu n'as pas encore cru. If you've been preached such a gospel, it means that you have not believed yet. Nous t'invitons demain soir pour croire. We invite you here tomorrow afternoon to believe. Hallelujah. Praise the Lord. Jésus prend tout. Jesus takes il all. Il prend tout. He takes all. S'il ne prend pas tout, if you don't take all, il ne prend rien. He takes nothing. Si tu es docteur, if you're a doctor, on a besoin de ton doctorat. We need your PhD. Pour aller soumettre le monde au pied de Jésus. To go to submit the world at the feet of si Jesus. Si tu es un cultivateur, if you are a peasant, on a besoin de ta technologie de culture. We need your technology of culture. Pour soumettre le monde au pied de Jésus. In order to lay the world at the feet of Jesus. Si tu as une licence, if you have a une licence. If you have a bachelor, nous avons besoin de cette licence. We need your bachelor pour aller gagner le monde à Jésus. In order to win the world to Jesus. Si tu as une maison duplex, if you have a two-level house, avec les carreaux là-dedans, with tiles, nous avons besoin de cette maison duplex. We need that house. Oh, pour adorer Jésus dedans. In order to worship Jesus in it. Si tu as une beauté, jeune fille, if you have une beauté, A beauty, young lady. We need your beauty. Pour gagner le monde à Jésus. To go and win the world to Jesus. Pourquoi tu devrais envoyer les gens en enfer ta beauté? Why should you send people in hell with your beauty? Qu'est-ce qu'on fait avec une beauté que Jésus n'a pas mangé? What do we do with a beauty that Jesus didn't eat? Frère, rappelez-vous d'une parabole. Remember a parable. Le maître avait faim. The master was hungry. Et il a vu un figuier. And he saw a fig tree. Et il a couru, il est arrivé au figuier. And he ran toward the fig tree. Et il n'avait rien à manger. And there was nothing there to eat. A-t-il béni ce figuier? Did he bless the fig tree? Qu'est-ce qu'il a fait au figuier? What did he do to the fig tree? Répondez. Answer. La Bible c'est notre village. The Bible is our village. Il a maudit le figuier. He cursed the fig tree. Personne ne mangera de ton fruit. No one shall eat of your fruit. Et qu'est-ce qui est arrivé au figuier? And what happened to the fig tree? Il a séché. It withered. Et la Bible précise. And the Bible precise que ce n'était pas la saison des figues. That it was not the season of the figs. Mais ne dis pas au maître que tu n'es pas prêt. Do not tell the master that you are not ready. Parce que lui veut manger. Because he wants to eat. Il voulait manger des figues à un figuier. He wanted, c'était pas la période des figues. He wanted to eat figs on a fig tree, and it was not the season. The question is not was not that it was not the season of the fig tree. Et quand il n'a pas eu à manger, il a maudit. And when he didn't find it, he cursed the fig tree. Et Dieu ne lui a pas fait de reproche. And God did not reproach him. Dieu l'a exaucé. God granted him. Et le figuier était séché. And the fig tree was withered. Tu dois te donner pour servir Jésus. You must give your life to serve Jesus. Ne dis pas que moi je ne suis pas prêt. Do not say that I'm not ready. Tu seras prêt quand? When are you going to be ready? Tu seras prêt quand? When are you going to be ready? Gloire à Dieu. Praise the Lord. Laissez-moi faire un petit exercice. Let me make a small exercise. Si tu as entre 20 et 60 ans, if you have between 20 and 60 years old, reste assis. Stand, remain sitting. Si tu as de un jour à 20 ans, if you are from one day to 20 years old, et plus de 60 ans, and more than 60 years old, alors tiens-toi debout. Then stand on your feet. Ceux qui ont plus de 60 ans, those who are more than 60 years old, et ceux qui ont au maximum, bon disons, ceux qui ont jusqu'à 19 ans, that is those who have up to 19, tenez-vous debout, s'il vous stand plaît. On your feet, please. Ceux qui ont entre un jour et 19 ans, those who are debout. Between one day and 19 years old, stand on your feet. Et puis ceux qui ont plus de 60 ans, tenez-vous debout. And those who are more than 60 years old, stand on your feet. Donc tous ceux qui sont assis là ont entre 20 et 60 ans. That is, all those who are sitting here have between 20
up to 60 years old. Maintenant, ceux qui étaient debout, vous vous asseyez, ceux qui étaient assis, vous vous levez. And those who were up, sit down, and those who were sitting down, then stand up. Oui, regarde autour de toi. And look around you. C'est noir de monde, comme on le dit à ma droite. We can see the multitude. Dans Levitique chapitre 27. In Leviticus chapter 27. Le verset 1 au verset 8. Reading from verse 1 to 8. Excepté les gens du secrétariat, les autres doivent rester debout. Vous êtes des jeunes. Except those of the secretary, the others must remain sitting. You are young. La Bible dit que la tranche d'âge de 20 à 60 ans. The Bible says that those who are from 20 to 60 years old, c'est la tranche de productivité. It's the group of people of production. Un homme est estimé à 50 cycles. And a man is estimated to 50 shekels. Et une femme à 30 cycles. And a woman to 30 shekels. Les autres tranches d'âge sont en dessous de ça. The others are under this. Ça veut dire que tu es dans la tranche d'âge où tu dois servir Jésus au maximum. So it means that you are in the life span in which you must serve Jesus in maximum. Donc quand tu dis que tu n'es pas prêt, tu seras prêt quand? À 80 ans? So when you say that you are not ready, when are you going to be ready? When you are 80 years old? Ou bien tu veux que Jésus rétrograde ton âge à 2 ans? Or do you want Jesus to bring down your age to 2 years old? Hallelujah. Praise the Lord. Tous ceux qui sont debout là. All those who are standing. Si une fois, if once, Jésus t'a réclamé quelque chose, Jesus has claimed something from et you. Et tu lui as dit que tu n'étais pas prêt. And you told him that you were not ready. À lui abandonner cela. To abandon this to him. Peut-être que c'était ta carrière. Maybe it was your career. Peut-être que c'était ton argent. Maybe it was your money. Ça peut être tout ce qu'on peut dire. It can be anything we can mention. Et tu as dit à Jésus, je ne suis pas encore prêt. And you thought Jesus was not ready. Vous restez debout. You remain standing. Si depuis que tu es entré en Christ, if since you got into Christ, il ne t'a jamais réclamé quelque chose et tu as refusé, tu lui as dit que je ne suis pas prêt, là tu t'assois. If he has claimed something from you and you said I'm not ready and then you didn't give it, then you sit down. Président, regarde la jeunesse. President, leader, look at the. J'ai dit, I say, si une fois, if once, Jésus t'a réclamé quelque chose, Jesus requested something from you, et tu lui as dit, Jésus, vraiment, pour le moment là, je ne suis pas prêt à te donner. And you told him, Jesus, for the time being, I'm not ready to give you. Même si tu as obéi après, even if you obeyed later, tu restes debout, you remain standing. Parce que le maître est venu à ta vigne. Because the master came to your vineyard. Il voulait manger. He wanted to eat. Et il n'a pas eu ce qu'il faut pour manger. And he didn't get what he needed to eat. Et tu ne sais pas comment est-ce qu'il t'a maudit. And you don't know how he cursed you. Donc tu dois rester debout. So you must remain standing. Mais si toutes les réclamations de Jésus, but if all the claims of Jesus, autant que tu te rappelles, As much as you can tu as remember, instantanément. You yielded immediately. Ça veut dire que à chaque fois que le maître venait à ta vigne, it means that anytime the master came to your vineyard, il avait à manger. He had food to eat. Donc tu peux t'asseoir. Then you can sit down. Parce qu'il n'est jamais venu à ta vigne. Because he never came to your vineyard. Et il est reparti affamé. And went back hungry. Donc il ne t'a pas maudit. So he didn't curse you. Là où Jésus a mangé, il n'a pas maudit. Where Jesus ate, he didn't curse. Mais là où il n'a pas trouvé à manger, but where he didn't find food, la Bible nous permet de voir qu'il a maudit. The Bible let us know that he cursed. Et personne ne pouvait encore manger de là. And no one could eat from there anymore. Même pas tes parents. Even not even your parents. C'est compris? Is it understood? Nous tous qui sommes debout, all of us who are stood, nous allons nous repentir. We are going to repent. Tu vas te repentir. You're going to repent. D'avoir dit au maître de passer plus tard. To tell the master to come quand later. Quand il avait faim, quand il avait when besoin he de was manger. Oui, commence à hungry and wanted to eat. Prions, crions. Let's Seigneur, pray. Shout to the Lord to forgive you. Et je prie que tu nous pardonnes de t'avoir dit de passer plus tard. Pour les choses que tu as demandées, Seigneur, qui se trouvaient entre nos mains, les choses que nous avions la possibilité de faire. Seigneur, nous n'avons pas été justes, Seigneur. Les fois où tu as été, Seigneur, devant nous, nous demandant la justice, nous n'avons pas été toujours honnêtes, Seigneur. Oh Père, Seigneur, les dons que nous devions faire, que
nous avons refusé à des gens, là où nous devions prêcher, oh Seigneur, oh nous avons reporté, je supplie que tu nous pardonnes et que tu enlèves les conséquences. Et Seigneur Jésus, nous sommes sur ta malédiction, nous ne produisons pas, parce que Seigneur, nous t'avons plusieurs fois demandé de le passer plus tard. Père, pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Oh notre Dieu, nous te supplions, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Seigneur, nous revenons ce jour, nous prenons l'engagement de ne plus jamais te faire passer. Au nom de Jésus. Éternel Dieu notre Père, Seigneur, nous regrettons, Seigneur, et nous te supplions d'avoir pitié de nous, oh Père. Seigneur, je ne sais combien de fois tu es venu à ma vie, et je ne t'ai pas donné à manger, Seigneur. Oh Seigneur, 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 toutes ces fois où j'ai résisté à t'obéir, Seigneur, je te supplie, pardonne-moi. Et je prie pour nous tous, en tant que jeunes, je plaide que tu aies pitié de nous. Seigneur, la malédiction est grande, Seigneur. La malédiction est grande, Seigneur. Et les conséquences sont terribles, Seigneur. Parce que nous avons séché. Nous avons séché, Seigneur. Je plaide que tu nous pardonnes. Je plaide que tu nous pardonnes. Je plaide que tu nous pardonnes. Seigneur, ces jours où tu nous avais demandé de te donner de l'argent et que nous avons refusé. Ces jours où tu nous envoyais prêcher et que nous avons refusé. Ces jours où tu nous avais réveillé pour prier, pour méditer et que nous avons refusé. Seigneur, je supplie, je supplie, je supplie, Seigneur. Oh Rabaka, Allaga Baga, Raka Baga, Laga Baga, Allaga Baga, Da Baga, Gere Baga, Allaga Baga, Raka Baga, Laga Baga, Rabaka, Gere Baga, Laga. Oh Rabaka, Shaka, Raka Baga, Oh Baga, Keleke Baga, Raka, Baga, Laga Baga, Allaga, Allaga Baga, Da Rabaga, Gere Baga, Laga Baga. Oh Seigneur, 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 nous implorons ta miséricorde et tes compassions ce jour. Je prie que tu détruises la malédiction. Je prie que la malédiction soit détruite. Je prie qu'elle soit effacée. Je prie que les conséquences soient ôtées, Seigneur. Parce que ce jour, nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Seigneur. Et nous repartons avec un engagement nouveau, Seigneur. Un engagement nouveau, Seigneur. À ne plus te refuser ce que tu nous demandes. Et nous prions que tu nous bénisses, que tu nous soutiennes, que tu nous accordes la puissance pour agir quand tu le veux, quand tu nous demandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Pour les références concernant le figuier maudit, tu peux lire Matthieu 21, 18 à 19, quand tu seras seul. For the cursed fig tree, you can read Matthew 21, verset 18 à 19. 21, reading from verse 18 to 19. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Mais quand le maître nous recrute alors, but when the master recruits us, et qu'il nous envoie travailler, and sends us to work, et il faut connaître le travail à faire, you must know the work to be done. Le frère Théodore a encore passé 6 années. Brother Theodore spent about 6 years en train d'expliquer le travail à faire. Explaining the work to be done. Parce que si tu ne sais pas ce que tu as à faire, because if you don't know what you have to do, comment pourras-tu savoir si tu as réussi à faire ce qu'on t'a demandé? How can you know that you have succeeded in doing what you have been asked? Et il a dit, and he said, que notre mission, that our mission, elle se résume dans l'interprétation, is in the interpretation, du grand commandement, of the great commission, du grand commandement, of the great commandment, et de la grande commission, and the great commission. C'est deux choses. There are two things. Le grand commandement, great commandment, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, you shall love the Lord your God, tout ton cœur, with all your heart, toute ton âme, with all your soul, toute ta pensée, with all your thought.
La grande commission, a great commission, qui est expliquée plus tard dans Matthieu chapitre 28, which is explained later on in Matthew. Elle est donnée précédemment sous cette forme. It is given on this form. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. And you shall love your neighbor as yourself. Ce que nous lisons dans Matthieu 28, what we read in Matthew 28, ce n'est que l'explication d'aimer son prochain comme soi-même. It's just the explanation to love your neighbor as yourself. Matthieu 28, Matthew 28, verset 18 à 20. Verse 18 to 20. Nous allons juste faire ressortir 8 éléments de ce passage. We will take out 8 points from this passage. Tu iras les étudier parce que tu es un étudiant. And as you are a student, you will go and study them. Il dit, alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. And Jesus came and spoke to them, saying, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. All authority has been given to me in heaven and on earth. Le premier élément, the first point, c'est le mandat sous lequel nous travaillons. Is the mandate under which we are working. Tout pouvoir m'a été donné. All power. Celui qui t'a recruté, the one who recruits you, il dit que tout pouvoir lui a été donné. He says that all authority has been given to him. Il est au-dessus de toute autorité. He is above all authority. Si Jésus t'envoie faire quelque chose, if Jesus sends you to do something, et le policier t'arrête et te dit de ne pas faire, and the policeman stops you and says don't do it, tu dois faire ce que Jésus a dit de faire. You will do what Jesus told you to parce do. Que Jésus est au-dessus du policier. Because Jesus is above the policeman. Mais tu seras matraqué. But they will be beaten. Tu pourrais aller en boîte. You can be taken in jail. On va t'enfermer au commissariat. C'est là que je parle. They can put you in jail at the police station. On pourrait même t'amener en prison. You can even be taken in jail. Parce que tu as prêché à l'enfant d'un haut cadre du pays qui est fâché. Because you have preached to the son of a high-ranking man. Et il peut manigancer pour que tu ailles en prison. And he want to make a plan for you to go to prison. Tu iras en prison. You will go to prison. Il y a les âmes là-bas à gagner. There are souls there to win. Et quand tu arrives en prison, and when you get there in prison, tu continues de prêcher là-bas. You continue to preach there. Pour leur faire comprendre que to make them understand that ton maître a dit tout pouvoir m'a été donné. Your master told you that all authority has been given to him. Tu n'arrêtes pas de prêcher là-bas comme quoi tu veux devenir sage. You don't stop preaching there because you want to be wise. Si tu rentres dans une cour, if you get into a yard, et on t'insulte, a house, and people insult you, ce vanu-pied là, and they say, look at this man. Dehors, get out. Tu sors de cette cour. You get out from the house, this house. Le portail voisin. The next gate. Tu toques là encore. The neighboring gate. Tu leur dis, je suis venu prêcher Jésus. You knock there and he said, I'm coming to preach Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tu ne dis pas qu'on m'a chassé. You don't say that I've been driven out. Et puis tu commences à te regarder. And you start looking at yourself. Et tu dis, non, j'ai échoué. And you say that I've failed. Qui t'a raconté que tu as échoué? Who told you that you have failed? Tout pouvoir m'a été donné. All authority has been given. Un mandat éternel. I have an eternal mandate. C'est sur ce mandat là que nous occupons. I'm working under this mandate. Nous ne nous excusons pas quand nous prêchons l'évangile. We don't excuse ourselves when we preach the gospel. Nous sommes en train d'accomplir un devoir royal. We are accomplishing a royal duty. Le deuxième point, the second point, Jésus dit, Jesus says, allez, go. C'est un mouvement. It's a movement. Tu ne peux pas rester en place. You cannot remain there in place. Et tu dis que tu es en train d'obéir à la grande commission. And say that you are obeying the great commission. Même si tu es pasteur résident. Even if you are a pastor residing in a place. Les gens que tu bâtis dans ton église. The disciples you are making in your church. Ils doivent en avoir que tu destines à la mission. Some of them should be taken to the mission. Tel que les livres nous ont dit qu'il y a des missionnaires. As the books told us that there are missionaries. Sinon tous ceux qui ont été recrutés par Jésus sont des missionnaires. If not all those who have been recruited by Jesus are missionaries. Mais si on veut prendre le terme missionnaire selon que les hommes le comprennent. But if you want to take the term missionary as people understand it. Pasteur résident, tu dois envoyer des missionnaires. A residing pastor, you must send missionaries. Ton église doit envoyer les prières pour gagner le monde. Your church must send prayers to win the world to Christ. Ton église doit envoyer l'argent pour gagner le monde. Your church must send money to win the world to Jesus. Tu dois aller par tous les moyens. You must go by all means. Et toi-même jeune qui me and you yourself young who are listening to me. Quand tu achèves ta maîtrise. When you finish your master degree. Tu dis à Jésus, voilà la maîtrise. You tell Jesus, here is my master degree. Oh, je m'en vais prêcher l'évangile. Oh, I'm going to preach the gospel. Mon poste, c'est un prédicateur de l'évangile. My post is a
preacher of the gospel. Tu vas gagner 300,000. Qu'est-ce que ça va apporter à l'humanité? You will win 300,000. What shall it bring? Shall it bring to mankind? Les gens ont gagné ça avant toi. People want this before you. Hey, lève-toi, tu vas aller prêcher l'évangile. Oh, rise up and go to preach the gospel. Le troisième point. The third point. C'est où allons-nous quand nous nous levons? That is, where are we going when we rise up? Jésus dit à toutes les nations. Jesus said to all the nations. Allez dans le monde entier. Go in all the world, the nations. Ça c'est dans la version Semeur. En anglais on dit all the nations, toutes les nations. In English they say all the nations. Tu dois aller dans le monde entier. You should go in the whole world. Si tu vas seulement dans ta ville, if you go only in your city, tu as circonscrit ton Jésus à un citadin. You have confined your Jesus to a citizen. C'est un Jésus de la ville. It's a Jesus of the city. Il n'est pas un Jésus du monde entier. He's not a Jesus of the whole world. Mais le Jésus de la Bible est le Jésus du monde entier. But the Jesus of the Bible is the Jesus of the whole world. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas dans le monde entier? What are you going to do when you go to the whole world? Tu dois aller faire des disciples. You must go and make disciples. Allez faire des disciples parmi tous les peuples. Go and make disciples among all the peoples. Il ne s'agit pas d'aller prêcher l'évangile, rassembler un tas de gens, on ne sait même pas s'ils ont cru. It's not to go and preach the gospel and gather a group of people. We don't even know if they have believed. Comme le frère Zach, le frère Théodore disait, on ne sait pas s'ils sont des chrétiens musulmans ou des chrétiens bouddhistes. As Brother Theodore was saying, we don't know if they are Christian Buddhists or Christian Muslims. Ça doit être des disciples de Jésus. They must be disciples of Jesus. Tu dois faire des disciples. You must make disciples of Jesus. C'est pour ça que au tout début, toi-même, tu devais être disciple de Jésus. That's why at the very beginning, you yourself were to be a disciple of Jesus. Pour dire aux gens, voilà comment vous devez faire, comme j'ai fait. To tell people, you must do as I have done. Le cinquième point. The fifth point. Tu dois les baptiser. You must baptize them. Non, le quatrième c'est faire des disciples. Now the fourth point is to make disciples. Nous sommes au cinquième, le baptême. We are at the fifth point, the baptism. Oui, vous êtes des bons étudiants. Yes, you are good students. Donc tu dois les baptiser. So you must baptize them. Si quelqu'un te dit que quand moi j'avais 6 ans, on a versé l'eau sur moi. If somebody tell you that when I was 6 years c'est old, maintenant que tu dois le baptiser. It's now you must baptize him. Tu dois le prendre. You must take him. Rentrer dans l'eau avec lui. Get into the water with le him. Le plonger dans l'eau. And dip him in the water. L'enfoncer dans le nom. You must immerge him in the water. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. C'est un seul nom. It's only one name. Donc tu ne le plonges pas dans le nom du Père, tu l'enlèves. Dans le nom du Fils, tu l'enlèves. Dans le nom du Saint-Esprit, non. You don't dip him in the water in the name of Father first and after the name of the Son and after the name of the Holy Spirit, no. Si on t'a fait 3 baptêmes, viens, on va te baptiser maintenant. If you've been baptized 3 times, then come, we baptize you truly now. Tu les baptises et tu les enseignes. You baptize them and you teach them. Nous sommes au sixième point. We are at the sixth. Et enseignez-leur. And teach them. Tu dois enseigner tes gens. You must teach your people. Ils doivent parcourir la Bible comme leur village. They must go through all through the Bible. Ils doivent être enracinés dans la parole. They must be rooted in the world. Ne crie pas sur les gens. Do not shout on people. Ne te fasse pas en face des gens. Do not get angry before people. Enseigne-leur les Écritures. Teach them the Scripture. Dis-leur voilà ce qui est écrit. Tell them this is what is written. Voilà comment on doit l'appliquer. This is how we must apply voilà it. Voilà comment je suis en train de l'appliquer. That's how I'm applying it. Dépose tes gens dans la Bible. Dépose-les dans la Bible. Put your people in the Bible. Fais de un sandwich biblique. Make them a Bible sandwich. Dites amen. Say amen. Ils doivent être au milieu de 2 tranches de pain. They must be in the midst of 2 sides of bread. Et tes 2 tranches de pain c'est la Bible. And your 2 angels, that your 2 sides of bread is the Bible. Si on les pince, il doit couler du sang biblique. If you sting them, there must be Bible blood coming out of them. Mais comment réussir à les enseigner? But how to succeed in teaching them? Il faut que tu aies obéi toi-même. You yourself must obey. Pour les entraîner à l'obéissance. In order to entraîner dans l'obéissance. In order to take them into obedience. Parce qu'il dit, because he says, apprenez-leur à obéir. Teach them to obey. Apprenez-leur à obéir. Teach them to obey. Tu leur enseignes. You teach them. Et pendant qu'ils te voient obéir, and while they see you obey, ils apprennent à obéir. They also learn to obey. C'est facile. It's easy. Si tu cries sur tes gens depuis n'obéissent pas, regarde-toi, est-ce que toi-même tu obéis? If you shout on men and that they don't obey, look at yourself. Do you obey? Ce à quoi tu as obéi?
what you have obeyed, tu peux commander l'obéissance. You can command obedience. Et dans tout cela, and in all this, nous sommes au huitième point. We are at the eighth point. Jésus dit, Jesus says, et moi, and I, je serai toujours avec vous. I will always be with you. Je ne vous envoie pas seul. Sending you alone. Je vais rester avec vous. I will remain with you. Nous avons un point de rendez-vous avec le Seigneur. We have a point of appointment with the Lord. C'est là où nous sommes en train d'accomplir la grande commission. It's where we are accomplishing the great commission. C'est pendant que tu vas dans la rue prêcher que tu as rendez-vous avec Jésus. It's while you go into the street to preach that you have appointment with Jesus. C'est pendant que tu prends les gens un à un pour les enraciner à Jésus que tu as rendez-vous avec Jésus. It's that by the time you take people one by one to root them in the Bible that you have a rendezvous with Jesus. C'est pendant que tu rassembles les gens pour leur donner l'enseignement que tu as rendez-vous avec Jésus. It's while you gather your people to teach them, to give them the teaching that you have a rendezvous with Jesus. Jésus t'a dit là où le trouver. Jesus told you where you can find him. Sois juste fidèle. Just be faithful. Lui sera toujours là. He will always Il be there. Il sera toujours là. He will always Il sera be there. Toujours là. He will always Il sera be there. Toujours là. He will always Il sera be toujours there. Là. He will always Il sera be there. Toujours là. He will always Il ne be va there. Jamais défaillir. He will never fail. Il sera toujours He là. Will always Je veux qu'on se lève tous ensemble. Let us get up together. Lève-nous tous ensemble. Let's stand on our feet together. Et proclamons and proclaim que notre Seigneur est fidèle. That our Lord is faithful. Il a toujours été là où He nous avons rendez-vous. He has always been there in the place where He has given us. Et tu lui en même temps, Seigneur. And tell Him, Lord, c'est moi qui ai déserté le lieu de rendez-vous. I'm the one who departed from the rendezvous place. Seigneur, je reviens au lieu de rendez-vous. Lord, I'm coming to the place J'en of the rendezvous. J'amène mes pieds dans les rues pour prêcher. I'll go in the street to preach. Je reviens au fait de prendre les gens un à un pour les bâtir. I'm coming to take to the fact of taking people one by one and make them disciples. Je reviens au fait d'enseigner ton peuple. I'm coming to the fact of teaching the people. Je reviens au fait de leur montrer l'obéissance. I will come to the point of showing them obedience. Ensemble, élevons la voix et prions. Let's pray together.